Salut, c'est Romain pour vous parler de cyber. On a résolu un mystère vieux de 5 ans. En 2015, il y a eu une attaque terroriste à San Bernardino, aux États-Unis. Le FBI avait alors créé une grande polémique en essayant de pirater l'iPhone d'un des tueurs. Et cette semaine, on a découvert, 5 ans après, comment ils ont fait. En 2015, après l'attaque de San Bernardino, le FBI cherche à savoir si les tueurs ont des complices. Pour ça, ils veulent entrer dans l'iPhone d'un des tueurs. Sauf que, petit problème, Apple vient de sortir iOS 9, avec des sécurités renforcées. Avant, le FBI codait juste un petit programme qui tentait toutes les combinaisons de codes possibles. Mais là, avec iOS 9, au bout de 10 tentatives, tout le contenu du téléphone est automatiquement effacé. Le FBI a alors demandé de l'aide à Apple pour déverrouiller le téléphone. Mais ils ont refusé, car Apple n'avait pas prévu de moyen de contourner les sécurités, ce qu'on appelle une backdoor. Parce que si on crée une backdoor, rien ne garantit que seul Apple et le FBI pourront l'utiliser. Il y a toujours un risque que des hackers trouvent cette backdoor et l'utilisent pour des choses moins légales. Et Apple tient à son image de marque qui est de vendre des produits très sécurisés. Donc, bras de fer entre Apple et le FBI. Et le FBI demande un jugement pour forcer Apple à le faire. Et en fait, c'est super important, parce que si le FBI gagne, eh bien ils pourront forcer après toutes les autres entreprises qui fabriquent des produits informatiques à réduire leur sécurité avec des backdoors. Finalement, quelques mois plus tard, le FBI annonce qu'ils n'ont plus besoin d'Apple parce qu'ils se sont débrouillés sans eux. Et là, pendant 5 ans, le mystère reste complet sur comment est-ce qu'ils ont fait pour déverrouiller l'iPhone. Et cette semaine, on a tout découvert. En fait, une entreprise australienne avait trouvé, avant l'attentat, un bug dans un outil public qui était utilisé par Apple pour brancher des accessoires sur le port USB de l'iPhone. Avec un hacker connu pour ses piratages d'iOS, ils ont développé un code qui utilise 3 vulnérabilités super sophistiquées à la suite, pour désactiver la suppression automatique de toute la mémoire. Et du coup, faire un programme qui teste toutes les combinaisons de code, pas juste 10. Ce qui est marrant aussi, c'est que ce mystère a été résolu pour une histoire qui a rien à voir. En fait, Apple est aussi en train de poursuivre en justice une entreprise de chercheurs de vulnérabilité d'iPhone. Et cette entreprise, elle a été fondée par ce même hacker qui a permis de déverrouiller l'iPhone de San Bernardino. Et le Washington Post a tout découvert sans vraiment faire exprès. Notamment le fait que le FBI avait du coup payé 900 000 dollars pour déverrouiller un iPhone qui, au final, avait aucune information dedans.